de prendre la troisième position. On va voir un peu qui prendra la quatrième. Et bien, cette quatrième place sera obtenue par Diop Yanis de Strasbourg. Encore et toujours des huitièmes de finale sur la piste bournoise maintenant. Et voici que nous passons à la catégorie des minimes maintenant. Huitième de finale chez les minimes avec Maxime Dehors, de Fossé-Abori, Antoine Adam, Petit Nathan. Et qui prend la tête avec le numéro 74, c'est Adam Antoine. Devant, seconde position, Dehors de Maxime, du Big Cross Dionysien. On va voir pour la troisième et quatrième position maintenant, et notamment avec le numéro 21, si j'ai bien vu, Castor Cabin va se qualifier, et je pense que c'est le 66, mais attention, Nathan Petit, peut-être qualifié, mais il faudra peut-être la photo finish. Avec la 815, c'est toujours les huitièmes de finale maintenant, dans la même catégorie des minimes, avec Lucas Catillon, Fleury, Enzo Siméon Maillard, Chenelou Pierre, Célestin Frolic, Clément Charrière, le quartier Gentil Matteo et Thomas Urien, avec actuellement en première position, tout simplement le monsieur Maillard Siméon devant Chenelou Pierre, l'un de Beaulieu-Mandeur et l'autre. Allez, c'est parti pour un autre huitième de finale catégorie des minimes. Avec notamment Mathis Gérard, il y a peut-être Thomas Le Benoît qui avait fait très fort avec la plaque 78 tout à l'heure. Et il y a également Jacob Martin, Valentin de Lima, Content Tom, Maxence B, Éclapier, Lilian et Van Bastien de l'US Bassin-Houillé. Voyons voir comment les choses se sont décantées dans la deuxième ligne droite maintenant. Et que la mi-parcours est franchie, le 78, peut-être Thomas est-il en tête dans les en troisième position. Car actuellement, c'est le 81 qui a pris la tête de Lima Valentin, Jacob Martin. Non, occupe la deuxième position, quant à la troisième place. Oh là là, elle est extrêmement discutée par le numéro 81 et le 34 également qui est revenu, Gérard Baptiste pour le club de Pau. Non, Laurence, encore une huitième de finale chez les catégories minimes encore. Mathieu Veski, Florian, Thomas Faure, Cher Hugo, Victor Richard, Mathieu Kevin, Thomas Gouret, Vincent Petit-Horry et Lucas Paron pour Baume les Dames. Voilà donc le nom de toutes les huitièmes de finalistes avec actuellement en première position, je pense, Mathieu Veski, Florian devant Hofford, Tom de Paune en deuxième position maintenant, et la troisième place à quelques longueurs des deux premiers, et la quatrième, oh là là, ça va être chaud avec notamment le 23 et le 33, c'est-à-dire Cher Hugo se qualifie en compagnie de Gouret, Thomas pour le Clésoubre. C'est reparti maintenant, toujours et encore les minimes bien sûr. Toujours et encore les minimes de pour leur huitième de finale. Le temps tourne ma page sur le vent. M'y autorise. 20e Maxence. Le 31. Eh bien, pour le moment, c'est le 91 qui est en première position. Et ensuite, nous aurons M. Ménétrier Maillard. Et ensuite, M. Valizinski, Johan de Bertrange mène la danse sur une place qualificative. Je vous ai parlé du deuxième. Je m'attarde au troisième. C'est Maxence Fantiguem. Et le. Quatrième position pour le numéro 11, c'est Fulin Florian, de voisin BMX. Et les minimes toujours, et les minimes toujours avec Solon, Solon qui est en première position. Arthur Vaux, me semble-t-il, a pris la tête, ou alors à moins que ce soit Clément Gautry. Je vous demande un peu de patience pour pouvoir confirmer qui est en tête. Eh bien, il s'agit bien du 45, Arthur Vaux. Et une deuxième position pour Dorian Kerrer, ou Kerrer, pardon, de Vesoul, en seconde position.